suis Janaïna Milero, artisan et designer. Je suis spécialisée dans le travail des plumes d'oiseaux. Alors, depuis toute petite, j'ai voulu être costumière. Cette vocation s'est transformée au fur et à mesure de mon parcours et de mes formations. C'est un métier que j'ai choisi, mais un peu par hasard, on va dire. Je me suis donc formée à la création de broderies et de textiles. J'ai appris le tissage, la maille, la sérigraphie, le travail de la dentelle. Et puis au cours de ma formation, j'ai commencé à travailler les plumes d'oiseaux en les tissant, un peu par hasard. Et j'ai pu arrêter de travailler cette matière. J'ai développé en fait mon propre savoir-faire autour de cette matière. Je n'ai pas appris les techniques traditionnelles des plumassiers, mais j'ai développé la mienne. Il y avait vraiment une notion de pas à pas. Après mon diplôme, j'ai été intégrée à la pépinière d'entreprise des ateliers de Paris, qui donc pendant un an m'a offert une structure, un lieu où travailler, un réseau dans lequel m'intégrer, un réseau de jeunes créateurs, le réseau de la ville de Paris, et puis aussi une visibilité et une expertise qui était incarnée par des comptables, des juristes qu'on pouvait consulter à des moments précis. Pour nous aiguiller justement dans ce domaine de l'entrepreneuriat que je n'avais pas du tout appris et que bon, je continue à apprendre aujourd'hui au fur et à mesure de mon activité de façon très empirique. Aujourd'hui effectivement je suis créatrice, je suis artisan et designer. J'ai vraiment une pratique manuelle qui est cette pratique justement qui va justifier mon activité, me permettre d'innover, de faire des nouvelles propositions. Et en même temps, je suis chef d'entreprise, donc je dirige une petite équipe et puis mon activité sous toutes ses formes. J'arrive à allier ces deux aspects au quotidien. Mais l'aspect entrepreneurial va prendre beaucoup plus de temps au quotidien que le travail de création.